Salutations, magicienne. Bonjour, Brandon. Vous êtes accompagnée, de ce que je vois. Triss, tu as dit à cet homme que tu es magicienne ? Bien sûr, elle cherchait du travail, et c'est son principal atout. Tu es sûre que tu es bien, Triss ? Je sais que j'ai commis une imprudence, mais la concurrence est rude. Personne ne m'aurait engagée pour attraper les rats. En vérité, qui aurait cru qu'une telle beauté puisse se spécialiser dans l'extermination des rongeurs ? Mais j'aimerais autant que vous commenciez sans tarder. Triss, toi et l'ami Brandon, vous avez convenu d'un tarif ? On s'est mis d'accord sur une bourse pleine. Brandon et associé est une affaire sérieuse. Le plus vaste grenier à blé de Novigrad. En bon marchand, vous savez comment marchent les affaires ? Bien sûr, à travail honnête, salaire honnête. La moitié d'avance, le solde à la livraison. Vous exigez beaucoup. Je suis sorceleur. J'en ai vu plus d'un dire une chose a priori et chanter une autre chanson a posteriori. Fort bien. Voici la première traite. Nous devons disséminer ces cristaux dans tout le bâtiment, près de tout ce qui semble lié aux rats. Je m'occupe de ce côté-ci. Prends l'autre. Cherche des traces de l'activité des rats. Je sais à quoi ressemblent les traces d'activité des manticores. Pour ce qui est des rongeurs... Gérald, on aimerait l'un et l'autre se trouver autre part. Je préférerais siéger au Conseil Royal, mais ils ont aussi mon roi. Cherche les crevasses et les déjections. Une fois l'encens en place, qu'est-ce qui va se passer ? Je lancerai un sort pour chasser les rats. Tu ne peux pas te passer de l'encens ? Je n'ai pas spécialement envie de traquer les fientes de rats. Arrête un peu de te plaindre. Cet endroit me paraît propice. Ce type ne me plaît pas. Brandon ? Pas moi non plus. J'ai bien trop rats. Là-dessus, je suis d'accord. Plus sérieusement, pourquoi n'a-t-il pas marchandé ? Il doit avoir un vrai problème de rats. Triss, c'est un négociant. Marchander, c'est toute sa vie. Si je m'inquiétais de ce genre de choses, je mourrais de faim dans cette ville. Je crois que j'ai repéré tous les troncs. Parfait. Prépare-toi à un vrai feu d'artifice magique. J'active l'encens. Ensuite, nous aurons un moment pour discuter. Oui ? Attendons maintenant de les voir détaler. Intéressante méthode. Je n'ai jamais eu de chance avec les rats. Une fois en pleine nuit, j'en ai tué un avec une fourchette. Je voulais épater la galerie. Un lancer parfait, vraiment. Mais personne d'autre ne l'a vu. Comment aurait-il pu dans le noir ? Alors, que penses-tu de ma nouvelle carrière de chasseuse de rats ? On est bien loin du rôle de conseillère du roi de Téméria. Je suis content que tu ailles bien et que nous soyons... réconciliés. J'étais inquiet à l'idée de te revoir. J'imaginais mal la chose agréable. Nous avons vidé notre sac il y a 6 mois de cela. Je ne tiens pas à y revenir. Je n'y reviens pas, seulement il y a un gouffre entre dire les choses et appliquer les décisions qu'on a prises. Nous avions promis de rester amis. J'espère qu'il en sera toujours ainsi. Dis-moi comment va Yen ? Comment sais-tu que je l'ai trouvé ? Tu n'as pas répondu à ma question. Comment va Yen ? Je ne sais pas encore. Tu as une question plus précise en tête ? C'est bon, j'ai ma réponse. Mmh.
Eh bien, que vois-je là? Nos tourtereaux discutent au lieu de travailler? Le boulot est fait. Geralt, ce sont des... Je sais parfaitement qui ils sont, Triss. Mes amis, tenez à ce que je les prévienne si je rencontrais des mages et autres sorcières. Je n'avais pas le cœur à leur refuser ce petit service. C'est un piège, Geralt. Je sentais bien qu'il y avait un guise ou roche. On va faire comme si vos amis n'étaient jamais venus. Payez le solde et séparons-nous en bon terme. Ce n'est pas à vous de dicter les règles, mutant. Ouais, te mêle pas de ça. C'est la sorcière qu'on veut. L'ennui, c'est que nous sommes indissociables. Si vous la voulez, elle, il faut me prendre avec. Geralt. Ça peut s'arranger. Bon, trêve de bavardage. Faites ce que vous avez à faire. Mais ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux. J'ai assez entendu ce fils de pute. Je ne vous le fais pas dire. Ne les laissez pas ressortir vivants. Vous me cherchez des noises ?